cette passerelle, ce morceau de passerelle très important, fait 70 mètres de portée pour une passerelle totale qui va faire 100 mètres, au total 1300 tonnes et qui permettront un lien physique pour l'ensemble des sportifs, mais aussi des spectateurs qui seront au Stade de France et pour les autres qui iront au centre aquatique olympique. Mais ceci est aussi important, c'est l'énergie durable que la métropole du Grand Paris peut laisser. Et cette énergie, c'est le financement des 147 millions du centre aquatique olympique avec la parcelle et qui va permettre à la ville de Saint-Denis de créer un lien entre le quartier du Stade de France et le futur quartier de la Plaine Saulnier où il y a des habitations. Elle va donc relier deux quartiers et permettre le franchissement de l'autoroute 1 qui effectivement coupait les habitants. Ça donne évidemment une visibilité très significative à la métropole. L'enjeu 2024 est effectivement tout à fait crucial pour notre pays. La métropole y participe concrètement, physiquement et financièrement. Les sommes sont tout à fait importantes, significatives et je crois que nous pouvons effectivement saluer à travers la métropole les initiatives que Patrick Ollier a pu prendre sur l'ensemble du territoire métropolitain au bénéfice de plus de 7 millions d'habitants. Et bien, nous sommes à J plus 1 de la pause de ce nouveau passage entre le Stade de France qui est juste derrière moi et le Centre Aquatique Olympique et qui a été posé en quelques heures. Cette symbolique aujourd'hui, c'est la main tendue de deux quartiers, la main tendue entre plusieurs sports. Et c'est surtout la patte de la métropole du Grand Paris qui a voulu cet établissement avec une empreinte carbone la plus réduite possible. C'est ainsi qu'on peut démontrer que des élus de toute tendance, les 131 maires de la métropole du Grand Paris et Patrick Ollier, son président, sont là et toujours là pour faire que notre pays avance. Tout seul quand même. Je suis fier.